Salut tout le monde, Antoine ici du CVRA. Bienvenue dans mon stream numéro 4 qui va porter sur la documentation parce qu'on en avait un peu parlé sur Discord. Puis on était arrivé à la conclusion que la doc c'était pas forcément un truc qui était très présent pour tout le monde et c'est assez difficile pour ramener les nouveaux membres de l'équipe, enfin ramener les nouveaux membres de l'équipe et leur apprendre comment marche le robot et comment ils peuvent être productifs. Puis je me suis dit que ce serait aussi assez intéressant pour ceux qui connaissent pas nos robots parce que ça leur permettra de découvrir un peu, à découvrir simplement notre architecture, nos robots et de voir un peu ce qu'on peut faire, enfin comment le CVRA fait ce qu'on fait, c'est-à-dire nos robots et pourquoi surtout, qui est peut-être plus intéressant, c'est-à-dire de voir un peu, on va parcourir un peu l'historique de comment on a fait marcher nos robots dans le passé et parce qu'en fait, l'architecture qu'on a actuellement, c'est la conclusion finalement de quelques années d'architecture. Alors, on va fermer ce que je mangeais tout à l'heure. Ok. Donc pour le moment, la doc qu'on a sur le robot, elle est sur notre site internet, accessible pour tout le monde. Salut Romain, salut Wolfgang. Elle est sous tech, peut-être que je devrais renommer ça d'ailleurs en doc. Je vais ouvrir un nouveau fichier et je vais noter, je vais commencer à prendre des notes dedans sur les choses que je devrais peut-être changer. Donc peut-être renommer tech en doc. Un problème qu'on a actuellement, c'est que ben, ça, c'est peut-être la facette la plus visible de notre documentation, mais c'est de loin pas exhaustif. Et ça fait en partie encore dans plein de sous-projets, plein de README, plein de documentation isolée. Et il faut réfléchir un peu à comment est-ce qu'on va agencer tout ça de manière un peu plus intelligente. Donc là, en fait, la documentation qui est sur notre site web, elle vise à montrer un peu les différentes boards qu'on a. Donc les différentes architectures CAN. Enfin, les différentes cartes qu'on a pour composer notre architecture CAN. Il y a pas mal de choses à changer ici. Cette photo est pas terrible, je vais en avoir une autre qui traîne quelque part. Il n'y a pas toutes les cartes. Et en fait, je trouve que c'est. Alors, pardon, juste mettre mon téléphone sur silence, sorte de pas être dérangé. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est pas terrible comme c'est fait actuellement, parce qu'on présente chaque carte, mais on présente pas trop. Comment est-ce que globalement le système se met ensemble? On va prendre un peu de temps aussi pour regarder. On va regarder vite fait ce qu'il y a actuellement comme documentation. Et là, c'est le même problème, hein, qu'on voit. C'est-à-dire, ça décrit le hardware, mais ça n'explique pas un peu les différentes interactions qu'on a entre les différents. Enfin, comment ces cartes communiquent, à quoi elles servent, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans le robot, à quel endroit. Tout ça, on n'a pas. Et je pense que c'est assez difficile de faire quelque chose de. Enfin, de comprendre comment ça arrive. Moi, je suis au club depuis assez longtemps et j'ai contribué à tous ces trucs. Donc, je me rends pas bien compte si c'est difficile ou non de se mettre dedans. Mais je vois quand même que les gens qui arrivent au club, c'est systématiquement une galère et il faut beaucoup s'accrocher. Et j'aimerais bien rendre ça un peu plus simple. Si on regarde dans les différents sous-dossiers. On a aussi, y a aussi de la doc qui traîne à différents endroits, des README par exemple. Ça, c'est très bien d'avoir un README, mais je me demande si on ne devrait pas trouver un moyen de synchroniser ce README avec, enfin, qu'il soit disponible aussi sur le site web d'une façon ou d'une autre. Parce que là, je trouve que c'est un peu du gaspillage, entre guillemets. C'est pas très découvrable. On a un manual, je sais même pas ce qu'il y a dedans. D'accord, ça explique comment. Parce que, bon, j'y reviendrai, mais ça explique des modifications hardware qu'il faut faire. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont un peu dans le désordre. Je sais aussi que, par exemple, pour la carte, notre carte radio, de positionnement radio UVB, là, il y a carrément un dossier doc qui est complètement à part et qui contient des éléments de design, donc des raisonnements. Il contient un PDF, hein, il y a vraiment plein de choses.
Et j'aimerais bien trouver une façon d'organiser ça de manière un peu intelligente. Il y en a qui ont résolu ce problème dans leur équipe de l'organisation de la documentation, ça m'intéresse assez. Ou si vous avez des remarques sur comment vous le faites au travail, si vous pensez que vous faites bien au travail, pour ceux qui sont dans l'industrie, ou à l'école, hein, pour ceux qui sont encore en école. Donc moi, je me dis que la première chose que j'aimerais bien avoir, probablement, c'est un peu une vue d'ensemble. Mais on va d'abord réfléchir un peu à peut-être quelques questions que se pose un nouveau qui débarque au club sur pourquoi. Enfin, et puis ces questions, elles vont nous servir de test un peu pour notre documentation. C'est-à-dire, c'est un prototype que j'ai lu dans une conférence, enfin que j'ai vu à une conférence, où il nous conseille d'écrire une série de questions. Et une fois qu'on a fini de rédiger un document, de parcourir la série de questions, puis de se dire, ok, est-ce que j'ai répondu à toutes ou est-ce qu'il y a encore des points qui sont inconnus? Donc on va essayer, hein. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ces tests pour doc avant. Je me demande ce que ça va donner. Donc, pour qu'un débutant se pose. Je vais vraiment cibler les débutants en partant du principe que ceux qui sont au club depuis un peu plus longtemps, ils ont peut-être plus l'expérience de comment les choses marchent et où est-ce qu'ils doivent chercher. Donc une question toute simple, c'est où est-ce que le code tourne? Pourquoi autant de cartes? Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme question. J'en ajouterai hein, au fur et à mesure de toute façon. Pourquoi autant de cartes? Je veux modifier l'asservissement. Il tourne où? Comment est-ce que. Où sont les. Comment est-ce que je. Ah, tiens, comment est-ce que je transfère mon programme sur une carte avec le bootloader? Comment je upload mon code sur une carte? Là. On pourrait mettre d'autres. Quels sont les threads? Ouais, ça se tient. Quels sont les différents threads? À quoi ils servent? Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est assez chaud à documenter, mais je pense qu'il faut quand même le faire. Mais ça, parce que ben, il y a des threads qui sont toujours là. Mais ça risque aussi de changer en fonction de. Enfin, au fur et à mesure qu'on développe. Donc, il faut réfléchir à une façon de faire la doc qui soit assez flexible à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça, c'est une bonne remarque. Quels sont les différents threads? Bah, comment est-ce que. Tiens, comment est-ce que. Est-ce que les différentes parties interagissent? Comment s'organise la communication? Via UEVICAN, c'est une bonne question aussi. Je verrai au fur et à mesure s'il y a des questions en plus qui me viennent ou qui viennent dans le chat. Du coup, j'imagine que Wolfgang 1867, c'est Lucas, je pense. Je comprends vite. Bon, on peut commencer à faire des graphiques, tiens. Les graphiques, c'est sympa. Si OmniGraffle fait pas planter mon ordi quand je stream en même temps. Ok. Donc, où est-ce que le code tourne? Bah ça, je propose qu'on. En fait, j'ai envie de commencer, tiens. Perspicace, ouais, merci. J'ai presque envie de commencer par faire un peu un schéma électrique de à quoi ressemble le robot actuel, puis petit à petit de revenir dans le temps pour expliquer qu'est-ce qu'on a rajouté et pourquoi. Donc, actuellement, ce qu'on a, c'est une carte master. J'expliquerai petit à petit tout ce que ça veut dire après. Et cette carte, et
Là, tout à gauche, tout à droite, pardon, on va avoir les moteurs de propulsion, vraiment qui permettent au robot de se déplacer. Comment est-ce que ça marche déjà? Il y a moyen de lui filer. Shapes. Ah, Shapes, ça a l'air pas mal. Non, c'est pas tout à fait ça. J'aimerais juste trouver un cylindre pour présenter un peu des moteurs dans ma doc. Alors, c'est pas du tout ça que je veux. Non, non. Pas terrible, ça. Okay, basique. Bon, pour le moment, on va juste ignorer ce problème. Moteur. Ah, on va rester en anglais, dans le but de partager le plus possible avec d'autres équipes. Je pars du principe que tout le monde à la coupe parle au moins plus, parle à peu près anglais, mais pas forcément français. Et donc, ces deux moteurs, on va peut-être leur donner une forme un peu différente, si on peut facilement. Je sais qu'on peut. Faut juste que je retrouve comment. Ah, on peut mettre des boîtes. Mais ça c'est peut-être pas très moteur. Bon, bref, ok. On va y aller comme ça. Et E, left encoder. Et right encoder. Je vais pas faire tous les actuateurs comme ça, mais en fait, il y a une petite particularité pour l'odométrie. Donc, ceux-là, je veux spécifiquement les dessiner, quoi. Donc, eux, ils ont un lien mécanique, simplement. Et pour communiquer avec ça, il y a des cartes moteurs. Donc là, il faut bien se dire que chaque boîte, c'est vraiment un élément hardware. Voilà. Et ce qui est intéressant. Ah oui, parce que c'est des encodeurs externes. Sauf erreur, il y a aussi des encodeurs sur le moteur. Mais ça nous intéresse pas trop. Quand même on va quand même dessiner hein, qu'il y a une rétroaction. Paparam. Je sais plus comment ça marche. Ok, c'est pas trop dégueu. Enfin, si, mais. J'y travaille. Ah là là, ça ressemble à quelque chose. Octogonal. Ok. Donc là, on a. Ça, c'est vraiment notre base roulante qui va permettre de déplacer le robot sur la table. Peut-être que je les grouperai après. Et il parle sur un bus CAN. Comment représenter ça de manière cool? Ça, c'est. Je pense qu'on va leur donner. Oula! Ouais, c'est pas grave, on me fout. Voilà. Mais c'est super. Connections.
Ok, ça m'a déconcentré. Voilà, on peut dire que ça, c'est peut-être le buscal. Et ça va aussi être orthogonal. Comme ça fera des jolis. On peut s'arranger pour faire des jolis trucs. Enfin, si on prend le bon style. Voilà. Ok. Vous savez quoi? Peut-être qu'on verra après pour les aspects trop design, trop visuels. Ok. Donc ça, c'est pour la gestion du déplacement sur la table. Peut-être qu'on va les grouper. Non, pas nos strokes. Voilà, nos fils. Et on va mettre un peu de texte. On va mettre ça. Will. Oh merde. Motion. Peut-être robot motion. On va indiquer. Ok. Donc ça, c'est vraiment un groupe. Ensuite, maintenant, cette année, on a quoi d'autre? On a. La carte actuator. Salut Tic-Tac. Va plutôt copier. Ok. Donc ça c'est vraiment ce qui est utilisé pour nos nouveautés de cette année, c'est ce qui contrôle nos pompes à vide. Et électrovan et un servomoteur. On va les dessiner aussi, hein. Donc on a pump, genre vacuum, on va juste écrire pump. Vacuum pump, une électrovanne, je sais pas comment ça se dit en... Je sais pas comment ça se dit en anglais, tiens. Un peu embêtant, mais on va faire avec. Puis en fait, ça va faire beaucoup trop, donc on va juste mettre ça, un cerveau de modélisme. Donc chaque carte peut gérer deux cerveaux et deux circuits pompe plus électrovan. Pourquoi il me fait ça? C'est la première fois que je vois ça dans... Ok. Donc ça contrôle vraiment un bras du robot. Et ça va être répété 6 fois. Donc là, pareil, on va pas le mettre 6 fois. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis en train de dessiner l'architecture du robot actuel, histoire de situer un peu où se placent les différents objets, enfin les différentes cartes qu'on a designées, et ensuite de pouvoir du coup un peu mieux expliquer comment les différentes pièces s'intègrent. Pas du tout ce que je voulais faire. Bon, on va y aller comme ça, pas passer trop de temps là-dessus. Ensuite, le point suivant. Alors donc là on a ça qui nous permet de nous déplacer sur la table.
Et ça qui permet de prendre des objets. Et maintenant, il nous reste essentiellement cette année l'évitement d'obstacles. Et le positionnement, enfin la communication radio, qui fait un peu de positionnement aussi, mais qui peut être utilisé pour le moment. Nous on appelle ça une balise réflexe parce que c'est un capteur tout ou rien. Donc c'est un miroir qui vient tourner et puis on a simplement un capteur qui réfléchit sur le robot adverse. Et qui réfléchit le signal si le robot adverse est trop proche. Enfin même tout le temps en fait, c'est juste que. Et en fait, donc c'est réfléchi sur le robot adverse, on connaît le diamètre de la balise, et puis simplement en regardant l'angle sous lequel on voit, on peut en déduire la distance avec le robot adverse. Donc pour ça, il y a un petit miroir qui tourne. On a un capteur réflexe. Et lui, il communique avec un réflecteur. Enfin, il communique, c'est un bien grand mot. Ça, on va le mettre un peu plus. Tac. Donc ça communique comme ça. Les flèches noires, je vais simplement décider que c'est des signaux entre guillemets en tout genre, c'est-à-dire c'est qui n'ont pas un standard, genre un port série ou peut-être un bus CAN. C'est juste, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la lumière, ça peut être l'électronique de puissance. Il peut y avoir plein de choses. On va appeler ça Archi 2020. Là, du coup, la première chose qu'on voit, c'est que, enfin, ça commence à faire beaucoup de cartes dans le robot. Parce qu'il faut bien imaginer que Object Manipulation, tiens, je ne l'ai pas écrit ça d'ailleurs. Ça, c'est répété 6 fois par robot. Il manque le capteur branché sur l'actuateur board dans ton diagramme. Ah oui, bien vu. Ouais, on va l'ajouter, tiens. On va mettre ça là pour le moment. J'imagine que je vais le mettre comme ça. Et on va appeler ça Vacuum Sensor. Et lui, il communique avec la carte. Enfin, il est branché sur la carte, hein, mais. Ça marche pas si bien que ça, leur style orthogonal, tiens. Donc. Ça va plutôt dans l'autre sens, l'information. Et là, c'est un bus SPI. Là, pour le coup, bah, c'est vraiment un bus. Ok. Donc, cette partie-là, elle est responsable de. Open End Detection. Et là, ben, on a tout sauf la communication radio que je vais ajouter maintenant. Voilà.
As-tu pensé au capteur SICK de présence de verre? De quel capteur? Ah oui, celui-là! Ouais, en fait, ça a plus de sens de le mettre que le capteur de vide, j'imagine. Je vais peut-être mettre ça. Ok, mon ordi lag à mort. Je suis assez en train d'envisager un ordi plus puissant que mon vieux MacBook. For object detection. Bon, je vais juste mettre Reflex Sensor. Voilà. Ok. Et donc là, on a beaucoup de trucs connectés par câble. Si je prends. On va faire des dessins un peu libres. Donc, la carte master, elle donne des consignes à ces deux moteurs-là. Elle leur donne des consignes de torque, enfin de courant. Ça pourrait être n'importe quoi. Finalement, c'est une... en fait, au final, c'est une consigne de vitesse qu'on donne. Donc, on va plutôt donner speed set point. Et on va faire un style de ligne dédié à CAN. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Un style qu'on a réutilisé. On va juste le documenter là. Il veut bien, voilà. Ok. Je vais marquer ce que ça, c'est un autre signal. Ah, peu importe le type. Ok. Parfait, on peut reprendre. Donc, on a notre carte actuateur qui dans un sens répond avec enfin reçoit des consignes ah, des simples consignes moteur enfin bump on off en gros ou electrovan on off. Bump on off, servo pause, EV on off. Et en retour, elle reçoit pressure, sensor state. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dessiner là, je viens de me rendre compte. C'est comment les capteurs de l'audiométrie qui sont ici sont rebouclés sur la carte master. Ce qu'on avait fait au début, c'est que les cartes moteurs, là, elles lisent l'encodeur directement. Il y avait un lien comme ça. Mais ça ne marche pas très bien. On n'arrivait pas bien à synchroniser en fait la lecture des deux encodeurs là qui doivent être vraiment bien synchro. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'à la place, on a. Voilà, on a un lien comme ça, enfin deux liens en fait. Qui contiennent les infos des encodeurs. Ça, il est lisible ce schéma ou il est vraiment. Il devient vraiment compliqué, je sais pas, je me rends pas compte.
Je devrais le faire à main levée au début, mais... Du coup, le master gère indépendamment les vitesses de deux roues. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la carte master, elle, dans le domaine, enfin, elle vise, on a ce qu'on appelle un asservissement polaire. Tu peux, je te recommande. En gros, tu vas décider de réguler l'orientation du robot et son avancement, et tu calcules la vitesse de la roue gauche et de la roue droite, simplement en faisant l'addition pour une des roues. Donc l'addition du résultat du régulateur en angle et du régulateur en avance. Et pour l'autre, tu vas faire régulateur en avance moins régulateur en angle. Donc oui, elles sont indépendantes, les vitesses des deux roues. Et après, en fait, on transmet juste des vitesses à d'autres cartes qui sont vraiment des PCB séparés, qui eux vont faire la régulation en vitesse. Mais ils vont se concentrer sur un seul moteur. Pause. Ouais, je vais le noter dans les questions, tiens. T-shirt du club, très important pour l'image de marque pendant les lives. C'est exactement ce qu'on fait, mais on le fait sur une même carte qui contrôle les deux moteurs. C'est pas gênant d'envoyer les commandes à la suite aux deux cartes. Genre le fait que l'une reçoive son setpoint avant l'autre, ça gêne pas. Non, ça va pas l'air gênant. Enfin, on calcule assez fréquemment, je dirais à une centaine de hertz, et du coup, c'est pas un gros problème. Parce que les messages, ils sont envoyés immédiatement les uns après les autres, et du coup, t'as vraiment assez peu de décalage entre les deux. Donc non, pour nous, ça gêne pas. Parce que finalement, si tu fais la régulation sur la même carte, t'as aussi un décalage, bien sûr, beaucoup plus faible, mais t'en as aussi un. Non, pas très propre, c'est très... Bon, je vais arrêter de jouer avec ça. Et là, on a simplement les infos qui arrivent. Ça va simplement être les infos de position. Enfin, l'angle sous lequel on voit l'adversaire. Je vais appeler ça une position angulaire. Genre. Ou plutôt heading, qui a un cap. Et bien sûr, ça remonte aussi à travers Cannes. C'est celui-là. Voilà. Non, c'était si. C'était le D. My bad. Voilà. Et finalement, la carte UVB, elle, c'est dans les deux sens qu'elle transmet. Parce que. Enfin, elle émet et elle reçoit des data. Elle a deux modes dans lesquels elle peut être utilisée, aussi bien pour du positionnement que la transmission de données.
Mais le positionnement, ça ne marche pas encore. Ou en tout cas, pas très bien. Enfin, pas assez bien. Connerie. Complètement con. On va y aller comme ça. Oula. Voilà. Ok. La mécanique entraîne plus de retard que la communication au niveau là. Ouais, je pense aussi, Romain. C'est-à-dire que l'écart entre les différentes consignes, elle sera peut-être. Bah, je dis au bol, elle est genre une milliseconde. Mais si ta mécanique, elle met plus de temps qu'une milliseconde à réagir à cause de l'inertie, ou même simplement du. Bah, simplement, ton moteur, c'est un filtre RL, c'est un filtre passe-bas, électriquement. Et du coup, il va mettre du temps à réagir aussi au changement que tu lui donnes. Donc, a priori, c'est pas un problème la variance. Ok, cool. Donc ça, c'était pour le hardware. On va renommer ça en hardware. Maintenant, il faut parler du software. On pourrait peut-être rédiger un petit texte qui explique tout ça, tiens. Je vais créer une nouvelle page. Alors, comment ça a l'air de marcher? Ça ressemble sur le site. Il y a Can Systems. Et je comprends pas trop comment la doc est écrite, tiens. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est la table des matières, c'est chouette. On va simplement. On va appeler ça, on va mettre ça dans architecture hardware. 20.markdown plutôt que current, on va appeler ça 2020, histoire que si quelqu'un débarque plus tard et se demande tiens est-ce que c'est toujours à jour, bon au moins ils auront pas de mauvaises surprises, ou en tout cas ils auront pas cette mauvaise surprise. Hardware 2020.markdown. Ok. Est-ce qu'il faut lui filer un titre ou quelque chose? Je peux simplement faire Hardware Architecture Overview Continuity Edition. Donc apparemment c'est
La doc, elle est compilée avec un truc qui s'appelle MKDoc, MakeDocs. Mais là, c'est marqué MDBook. C'est pas moi qui ai fait cette partie-là, mais je l'ai automatisé récemment. Donc, je me rappelle plus comment ça marche. Tac-tac, Python, MKDoc, ok. Et après, MKDoc build. D'accord. C'est vraiment assez bien fait, hein. C'est ces systèmes où tu peux stocker ton. Donc nous, la doc, elle est écrite dans des fichiers texte que tu stockes dans Git avec le code source. Du coup, il n'y a pas besoin de. Enfin, c'est pareil pour notre site web d'ailleurs. Et c'est assez pratique de fonctionner comme ça, je trouve, par rapport à avoir un, je sais pas, un Google Drive ou un Wiki ou comme ça. C'est beaucoup plus facile à intégrer dans le fonctionnement normal de comment un programmeur travaille. MKDoc serve, ok, c'est ça que je veux faire. On va attendre que MKDoc s'installe, voilà. Je vais vite aller chercher de l'eau pendant ce temps. Ok. Donc il a installé MKDoc. Je vais faire MKDoc serve normalement. Il dit qu'il trouve pas architecture hardware 2020. J'ai dû me foirer. Architecture hardware 2020.markdown et là ah je l'ai pas mis au bon endroit dans docs voilà cool. Ok, la page que je veux commencer a bien été créée apparemment. Donc on peut commencer à rédiger. Pour ça, on va vite exporter ça en PNG, histoire de le mettre, histoire de l'avoir disponible. Alors. Ok, puis là on peut commencer à mettre des images. Donc c'est juste un titre pour l'image.
Ah, il n'est pas content parce que j'ai déplacé le fichier en dehors de l'éditeur. Il est un peu perdu. Oh. Ouais, whatever. Mais. Ok, bon, c'est pas grave, on reprend. Ce qui me l'a bien intégré. Oui, c'est pas très lisible, hein. Peut-être qu'on devrait faire une meilleure résolution. On va réexporter ça. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'écrire de la doc, ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps? Pas comment dire, j'ai l'impression que je dois pas prendre de temps à faire de la recherche pour savoir ce que je veux documenter. Genre, je le connais le truc. Mais c'est juste genre tout prend des plombes. Allez. Ok. Mais c'est pas encore ça, est-ce que c'est l'image qui est pourrie? C'est juste le niveau de zoom que j'utilise. Et l'image est déjà pas sur fond blanc, bon. Genre si je zoome. Ah ok, ouais, non, c'est juste. C'est juste Chrome qui a un zoom un peu dégueu. Aucune idée, j'écris pas de doc, ah là là. Ouais, mais je pense en mécanique c'est peut-être un peu plus facile parce que. Alors, je sais pas comment dire, d'année en année, tu as peut-être moins de réutilisation que tu as vraiment besoin de documenter et où les interfaces sont un peu cachées, mystérieuses. On va écrire un peu de. Ah ouais, non, mais c'est terrible comme ça prend des années. Alors. Le robot architecture is. On va faire. Le robot est construit autour d'une carte qui a. C'est un STM32F4. Donc cette carte elle est responsable. This board is responsible for. Elle est responsable pour la plupart des choses au niveau odométrie, pathfinding, game script. Interface utilisateur aussi, on a un écran LCD, je ne l'ai pas noté, tiens. Peut-être l'ajouter. Là. On a un petit touchscreen. Et connecté en SPI. Voilà. Ouais, je sais jamais pour quel public l'écrire, mais tu sais que j'ai le même problème. Hein. D'ailleurs, c'est cool que tu sois là, Lucas, parce que comme ça, tu peux me dire si. Enfin, t'as déjà posé pas mal de questions.
Je promets de répondre à au moins une question ce soir, une de tes questions. C'est juste, faut partir un peu, enfin, on part un peu de zéro au niveau doc, quoi. Par exemple, j'aimerais bien faire le même schéma, mais pour le software après, genre les différents modules en soft. Parce qu'il y a pas mal de parallèles. Donc les. Alors, donc les fonctions bas niveau sont déléguées à des cartes plus bas niveau. To simpler borne. Donc les cartes échangent des messages over CAN bus en utilisant le protocole UEVI-CAN. La position des roues, elle remonte comment vers le master? En fait, là, c'est directement, c'est encore les signaux A, B, channels. Donc c'est encore les signaux en quadrature. Et la carte, elle va aller redécoder et faire l'intégration elle-même. Et du coup, ça nous permet une bonne synchronisation de la lecture parce que bah, on a vraiment les signaux, ils sont comptés par deux timers qui sont intégrés à la carte master. Et du coup, quand tu vas les lire, c'est vraiment juste lire deux registres, c'est très rapide par rapport à faire une lecture à travers CAN. Donc je disais, on a le bus CAN, mais CAN, c'est vraiment super simpliste comme fonctionnement. Ça permet juste d'envoyer 8 bytes à la fois. Enfin, la version de CAN qu'on utilise, il y a des versions plus récentes qui permettent de faire plus. Mais on envoie 8 bytes à la fois et quelques bytes d'adressage, en gros. Enfin, ils appellent ça le transfer ID. En gros, qui permettent de taguer des trams, mais pas vraiment de leur donner, enfin, de leur donner une priorité, par exemple. Mais qui permettent pas de stocker des datas. Donc, par-dessus ça, on utilise un protocole qui s'appelle UEVI-CAN qui permet enfin de prendre des messages plus grands, de taille arbitraire, et de les découper en tronçons de 8 bytes, puis là, dans le sens de les redécoder. Il permet aussi de pack les bytes, c'est-à-dire d'un côté, on a une structure qui dit par exemple j'ai X et Y qui sont deux floats, et UEVI-CAN il va le compresser en un tas de bytes qui est lisible aussi bien sur un ordi que sur un microcontrôleur. Mais du coup, le master doit prévenir la carte moteur pour leur dire à quelle vitesse elle va. Donc, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est le robot sait où il est, il sait où il veut aller. Avec ça, il calcule les vitesses pour les roues, avec la régulation polaire. Et il transmet ça aux cartes moteurs. Et en fait, chaque moteur a aussi un encodeur. Je vais peut-être le noter d'ailleurs. Chaque moteur a aussi un encodeur du coup, mais qui lui est vraiment fixé au moteur. Donc si ta roue glisse, si la roue glisse, cet encodeur-là verra encore du mouvement. Tandis que celui-là, je sais pas si on voit bien ce que je sélectionne. Donc si ta roue elle glisse, cet encodeur-là, lui, il verra encore du mouvement parce que le moteur il va continuer à tourner. Et par contre, celui-là, il est monté sur une roue codeuse séparée et il verra pas de mouvement parce que le robot ne bouge pas. Et donc, ce qui intéresse la carte master pour le positionnement, c'est la roue codeuse séparée pour savoir où tu es. Et ce qui intéresse la carte moteur, c'est celui qui est monté sur le moteur afin de connaître la vitesse du moteur. Sais pas si c'est plus clair comme ça.
Donc j'écris. Tac, tac, tac. Donc nos cartes moteurs. Donc cette année, on sert des cartes moteurs seulement pour la base roulante. Mais a priori, ça peut servir pour n'importe quoi. Par exemple, l'année passée, on avait des bras. Et les moteurs du bras étaient contrôlés par une carte moteur. Deuxième point qu'on a, c'est manipulation d'objets. Donc pour utiliser pour les objets qu'on a utilisés dans la coupe 2020. On utilise des ventouses. Et des pompes à vide. Oui, tatata, on a designé une carte pour. Donc on a dans chacune de ces cartes on a un capteur de vide. Pour détecter si un objet a été pris correctement. Je vais faire un schéma similaire pour le soft. Ouais, je pense. Mais il y a. Ah, pour le soft. Pour le soft, c'est pas la même, hein, le schéma, il y a plus de trucs, je pense. C'est très juste de voir ça. Ok, bah je finis d'écrire ça. Et après, on peut entamer le schéma sur le soft. Donc, opponent detection is done with Mais là, par exemple, voilà, moi, ce que je me demande, c'est finalement, est-ce que sur cette page, ça a du sens de détailler ce que fait la balise adverse, par exemple, enfin, comment on détecte le robot adverse. C'est intéressant. Je crois qu'on a de la doc quelque part. Romain, tu te rappelles si on a de la doc pour comment on a les balises? On pourrait reprendre ce qu'il y a sur le poster en fait. Mais je sais plus où est notre poster. Voyons voir. C'est important d'être flemmard. Donc si j'ai déjà écrit du texte pour le poster. J'ai pas mis le poster en ligne? Ah sérieusement? Il me semblait pourtant que j'avais
tous les vieux posters. Ah oui, ils sont là. Il manque le poster 2019. Je vais noter ça aussi. Donc des posters. On redécouvre plein de trucs dans la doc. Ok. Ah mince, il n'y a pas d'explication de comment marche la balise. Ah mais il y a ça, tiens. Plop. Allez, c'est parti. Copy, paste, merci, bonne nuit. C'est pas du plagiat parce que c'est probablement moi qui ai écrit ce truc. Je crois. Tac. Et to the masterboard over cam. Doc spécial pour la balise pour être bien, ouais, je suis d'accord. Je vais noter, tiens. Et franchement, j'en fais quelques-uns de ces live doc, puis après, c'est bon, hein, on a répondu à toutes les questions. On aura un truc de compète, vous posez tellement de questions, c'est cool. Et le dernier, finalement, c'est pour communiquer entre les robots, c'est UVB. Two robots in a team can communicate and with the lighthouse using UVB radio. To do so, we reuse. Donc on réutilise des modules qu'on a développés pour refaire une balise radio. Mais à la place, on s'en sert pour transmettre des datas. Je sais pas, peut-être qu'un truc qu'on devrait faire, c'est commencer à encourager. Enfin, je sais pas comment, en fait, je sais pas comment on pourrait encourager les membres à écrire plus de docs pour ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs qui sont faits à l'arrache. Mais je vois les projets qu'on n'a pas fait à l'arrache, bah il y a des rapports, il y a de la doc, et il y en a d'autres où il n'y a rien. Genre vraiment personne sait. Par exemple, je pense au projet de vision qu'on a eu dans le passé avec des caméras. Il y a vraiment zéro doc qui explique pourquoi ça marche pas, comment ça communique. C'est un peu triste. On ne merge pas ce qu'il n'y a pas de doc. Ouais, en vrai, pour les projets qui sont. Un truc que je me suis demandé, c'est plus ou moins lié à ça en termes d'approche, c'est quelque chose qu'on fait au boulot, qu'on fait beaucoup au boulot, c'est d'écrire des design docs. Je vous montre à quoi ça ressemble parce que j'en avais fait un pour le CVRA, pour me rendre compte de à quel point c'était une bonne idée. Voilà. Donc ça c'était pour c'était quand je designais parce qu'il n'y en a pas à l'arrache. Je comprends pas ce que je veux dire, Romain. Donc ouais, là je voulais designer un protocole pour communiquer entre les deux robots par UVB. Et plutôt que de commencer direct à faire du code, j'ai juste écrit un petit rapport assez court qui décrit le problème que je veux résoudre, qui décrit comment je pense le faire, qui explique les choix techniques que j'ai fait dedans, qui explique les choix, enfin les raisons qui pourraient pousser à faire d'autres choix aussi. C'est très important de mettre pourquoi, enfin quelles sont les alternatives qu'on a considérées et pourquoi on les a ignorées. Et un petit bout qui explique comment est-ce que je pense l'implémenter dans le robot.
Et finalement, c'est pas beaucoup de docs, hein, si, genre si je l'imprime. Ah, je sais l'imprimer, c'est old school, mais. Je veux dire, ça doit faire quelques pages, quoi. 4 pages. Ouais, ça fait 2 pages. Et je pense que c'est une taille raisonnable de document. Enfin, ça permet d'argumenter, ça permet de discuter sur des choses concrètes quand on review un design. Et ça sert quand même de documentation un peu détaillée, genre pour le futur. Donc une option, Lucas, tu dis on merge pas ce qui n'a pas de doc, pourquoi pas? On pourrait aussi dire que genre pour chaque petit projet qu'on commence, on commence par écrire une doc là-dessus. Sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou si je suis en train d'essayer d'appliquer un truc orienté boulot pour quelque chose qui n'est pas du tout pertinent pour nous, quoi. Mais enfin moi quand j'ai. Enfin. Parce que récemment au boulot, j'ai débarqué dans un nouveau projet, je comprenais rien. Et de relire les design docs qui ont été faits dans le passé, c'était assez utile. Ça le fait aussi. Ok, bah du coup, quand on trouve un projet, on commencera. Enfin, il faut qu'on te trouve un projet et il faut qu'on fasse un design doc. Je pense que ça vaut la peine d'être tenté. Pour en discuter sur Slack ou par téléphone à l'occasion. Où en étais-je? Ah oui, je rédigeais ce machin. Ok, donc on a un petit blabla qui explique un peu l'architecture. C'est pas incroyable, mais je pense que c'est suffisant pour apporter déjà quelque chose. Donc on va juste clean up un peu ces. Attends, on va même pas clean up les traits pour le moment. Parce que honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est mieux fait en dehors du live. À moins que. Non, bref. On va juste cancel ça. C'est trop moche. C'est pas terrible avant. Ok. On va juste y aller comme ça. Exporter avec les commentaires que j'ai rajoutés pendant qu'on discutait. Commit. Et envoyer le truc. Comme ça sera déjà en ligne. Puis après, on va attaquer le software. Ok, puis on va aussi balancer ce fichier avec le reste. Comme ça, il sera facile à retrouver. Alors. Ok. Passons au soft. Donc pour le soft, on va s'intéresser à la carte master pour commencer. En partie parce que c'est celui qu'on tout. Enfin, la raison principale pour laquelle on s'intéresse surtout à la carte master, c'est que c'est à la fois le plus complexe et c'est aussi celui qu'on touche le plus souvent. Hein. Par exemple, la carte actuator, elle a genre deux threads qui sont super simples parce qu'elle fait rien de compliqué. Elle lit des capteurs, elle les envoie sur CAN, elle reçoit des ordres sur CAN, elle les active sur le moteur. C'est vraiment basique. Alors, bon, on va ouvrir le main de la carte master et puis on va se demander à quoi ça ressemble. Parce que le main, bah, c'est un bon point de départ parce que simplement il contient beaucoup trop de choses, mais surtout,
Donc on a la liste de toutes les choses qui démarrent dans la carte. Ça, c'est assez chouette parce que ça nous donne une vue d'ensemble. Alors, config, tiens, premier point. On a paramètres. Ça, c'est une toute petite librairie en fait qui permet simplement de d'avoir des variables dans le code, comme par exemple dire bah, là c'est les gains du PID qui ont un nom et d'aller les récupérer très facilement depuis le code, de voir s'ils changent. Ça n'existe pas de soft qui font un graph ton architecture automatiquement. Ben non, parce que ton architecture elle n'est pas définie, enfin c'est un programme quoi. Du coup, c'est super compliqué. Enfin, il y a des softs qui font ça, mais ils servent à rien. Parce que soit ils sont beaucoup, enfin la plupart du temps ils sont beaucoup trop bas niveau et ils te montrent le rapport entre les fonctions, mais c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse c'est comment les modules ils interagissent entre eux. Et ça, bah, il peut pas vraiment le faire, non. Donc ça, c'est vraiment une librairie qui est réutilisée par tout le monde. C'est ce qui est dans le config. Bon, je peux mettre blink, hein, mais ça fait juste clignoter une LED. Puis là, va falloir commencer à réfléchir à un code, à un moyen de représenter ça. Parce que LEDBlink, c'est un thread qui fait que ça. Mais paramètres, c'est une librairie qui vit dans plusieurs threads, qui est appelée dans plusieurs threads. Go plant UML. C'est quoi plant UML? Je connais pas du tout. Je suis pas ultra convaincu par UML, hein, ceci dit. En tant que concept de documentation en général. Alors, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, en fait, en général, Alex, Camille. Ou je sais pas si vous venez d'arriver ou si vous dites juste bonjour maintenant. Mais ok, c'est vraiment. Ouais, genre ça, t'as des tools qui peuvent te générer ça automatiquement. De ce genre d'interaction entre des objets. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce que, en fait, ça va te donner beaucoup trop de détails pour en déduire quelque chose d'utile quand tu débutes. Ce que tu veux, c'est vraiment une vue d'ensemble. Bon, bien sûr, le logiciel en lui-même, il te permettrait de documenter ça comme ça, quoi, mais. Mais perso, je préfère les. Enfin, il a l'air pas mal fait ce truc, je veux dire. Mais perso, je préfère les logiciels graphiques en général. Bref. Donc. Tu écris en texte en grave, du coup, c'est versionnal. Tu as les. Ouais. Oui, c'est clairement un avantage de l'écrire en texte. Après. Je trouve que c'est en général c'est moins pénible de tu vois, juste cliquer sur des boutons pour customiser l'apparence de ton truc. Je pense que c'est une question de préférence personnelle. Enfin, surtout que OmniGraffle, là, l'outil que j'utilise, j'ai un peu l'habitude, j'ai rédigé mon train master dessus. Enfin, je faisais les illustrations avec. Donc on va prendre une convention qui est que les objets en gris, c'est des threads. Tandis qu'en blanc, c'est des librairies qui sont utilisées dans des threads. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est un thread. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. On alignera ça après. Donc. Une convention qu'on a parfois, on se verra, parce que toujours, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est que init,
C'est pour des librairies, et puis start, c'est pour des threads. Je crois, plus ou moins, c'est ce qu'on a fait pour le moment. Et il s'avère que là, c'est pas le cas. Le file system. Je vais pas en parler parce que pour le moment, il n'est pas utilisé. Logging est très très important. Qui s'appelle en fait Error comme librairie. C'est ce qui va nous permettre de. Vous montrer. En fait, ça permet de faire des printf, puis c'est automatiquement routé sur la carte SD, routé sur le port série. Ça affiche le numéro de ligne, le thread actuel, le temps. C'est une façon d'avoir du log structuré. Est-ce que je peux trouver un exemple d'utilisation? Une stratégie peut-être? Ah voilà. En fait, c'est assez cool parce que tu peux juste écrire notice avec un message. Mais après, dans ton terminal série, ça va sortir plein de choses, quoi. Le temps actuel, tu peux mettre la position du robot, tu peux mettre quel thread a lancé ça. Tu peux dire, il va aussi te dire, bah, ça c'est dans stratégie.cpp à la ligne 62. Et c'est assez pratique. Ceux qui n'ont pas de librairie dans le genre, je vous le recommande. Pas très compliqué à faire, hein. C'est quelques macros. Vous pouvez aussi utiliser la nôtre, l'open source. Et ça, c'est une librairie qui va être un peu chiante à si on veut dessiner des flèches, parce que paramètres et erreurs, c'est des librairies qui sont vraiment utilisées par tout le monde. Ensuite, on a MessageBus, ça c'est assez cool. Enfin, c'est assez cool. Ok, je me jette un peu des fleurs là. Mais en fait, c'est une librairie qui permet d'avoir plusieurs threads qui s'envoient des messages. Donc la façon normale dont les threads communiquent chez nous, enfin, jusqu'à qu'on ait commencé à travailler avec MessageBus. C'est qu'on fait des appels de fonctions qui vont modifier des variables globales utilisées par d'autres threads. Puis du coup, il faut des mutex ou d'autres primitives de synchronisation pour s'assurer qu'on n'est pas en train de d'écrire dans une variable en même temps qu'on lit dans la variable entre deux threads, parce que ça peut conduire à des données incorrectes. Et à la place, on utilise MessageBus qui permet de. Comment tu dis? En fait, tu peux envoyer des messages complets, donc des structures avec plusieurs champs. Et le bus, lui, va s'arranger pour que ce soit des transferts atomiques, donc toute la structure est d'un coup. Et aussi, on peut mettre des primitives, genre attendre qu'un message arrive sur le bus, sur un topic donné. Donc un topic, c'est-à-dire que quand on envoie un message, tu peux l'envoyer sur des canaux qu'on a appelés topic. Et un thread peut dire, bah, j'aimerais attendre qu'il y ait un message qui arrive sur ce topic. Salut Kamikaze! Et un truc pratique qu'on a fait avec. Ouais, pas de problème. De toute façon, à Evolutech, vous avez réu aujourd'hui, non? Donc, je pense que c'est pour ça que t'es en retard. Donc, ouais, le message bus, ce que je disais, c'est qu'il permet d'envoyer des messages entre les threads. Et à côté de ça, tous les messages sont déviés et sont aussi envoyés à nos laptops pour débugger à travers IP. Du coup, c'est super pratique pour voir les interactions entre threads. Mais ça, c'est une technologie assez récente, j'ai envie de dire. Du coup, on s'en sert de loin, pas partout. Tac, tac. Ça, ça initialise du hardware, donc on va juste l'ignorer pour l'instant. Ok. Là, ça devient intéressant. Bus enumerator init. Faut que j'aille lire le code. Vite fait pour me faire une idée. Je vais déjà le noter. Je ne suis pas sûr que ce soit un thread ou à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Je vais commencer à prendre des notes à côté directement. En fait, lui, il fait un mapping entre un nom et un CAN ID. Donc, les cartes sur CAN, elles ont un numéro entre 1 et 127. Mais c'est pas très pratique de se rappeler qu'est-ce que c'est la carte numéro 42. Du coup, à la place, on a un système où chaque carte peut avoir un nom. Par exemple, tu peux lui donner le nom roue gauche. Et il y a un système qui permet de faire une résolution, c'est-à-dire de demander sur le bus qui a le nom roue gauche. Et dans ton code, tu références uniquement roue gauche. Et la partie où tu gères les CAN ID, elle est dissimulée. Ça ressemble un peu à comment DNS fonctionne pour ceux qui ont fait du réseau. Donc DNS, c'est le mécanisme qui traduit, par exemple, si tu vas sur cvra.ch,
c'est traduit en l'adresse IP de notre serveur. Bah là, on a un peu la même chose, mais pour Cannes. TCP/IP Master Race. Ah là là. Non, TCP, c'est pas terrible. Enfin. Si, c'est bien, mais on a des mots, on s'en sert pas. Si je prends un exemple, à quoi ça ressemble Est-ce que j'ai un exemple intéressant quelque part qui me vient en tête d'utilisation de ce Bucen Emirator pour peut-être illustrer un peu plus à quoi ça sert. Sur GitHub, on doit avoir ça dans une vieille version. Le problème, c'est que j'ai nettoyé une bonne partie du code de la strat pour préparer la strat 2020. Et dans la strat 2020, bah, enfin, c'était dans la stratégie surtout que c'est utilisé. Alors, si je pense bien. Non, c'est pas ça. Can. Non, moi je trouve pas. Mais en gros, l'idée c'est de pouvoir manipuler des noms pour humains plutôt que des canailles. Ce qui est intéressant, c'est que. Dis ça, mais il rage en vrai. Oh non, je suis content de pas avoir Linux en robot. Et en fait, donc ce qui est intéressant, c'est que les canID, ils sont stockés dans le bootloader avec le nom. Ça veut dire que les cartes, elles sont flashées vraiment toutes avec rigoureusement le. Par exemple, toutes les cartes moteurs ont rigoureusement le même firmware. Et elles ont un petit bout de flash qui contient une configuration qu'on n'efface jamais, que le bootloader n'efface pas, qui va leur donner une adresse et un nom. Et du coup, à chaque démarrage, elles vont commencer par lire le nom. Et la carte master va ensuite leur demander leur nom et leur numéro pour remplir sa table dans le Bucen Emirator. Ça fait aussi que, par exemple, si tu changes une carte parce que tu crames une carte moteur, tu la changes, bah, tu as juste à lui donner le même nom que l'ancienne. Et elle va être automatiquement détectée correctement. Et elle va commencer à recevoir les ordres pour l'ancienne. Alors ensuite on a Motor Manager, ça pour le coup c'est un thread, malgré la convention de start et init. Donc Motor Manager, lui ce qu'il fait c'est périodiquement il envoie les setpoints aux cartes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien en fait c'est parce que les cartes, elles ont un mécanisme de sécurité qui disent, parce qu'à un moment, notre carte master plantait tout le temps et le robot se payait un mur ou bien cassait quelque chose dans sa mécanique, c'était pas terrible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un mécanisme de sécurité où si une carte ne reçoit plus d'ordre de position ou de vitesse ou peu importe pendant un certain temps, quelques centaines de millisecondes, elle s'arrête, elle éteint les moteurs et elle attend. Et elle reprend une fois qu'elle reçoit des nouveaux ordres. Donc il faut lui envoyer périodiquement, ce qui fait que si la carte master crash, tous les moteurs du robot s'arrêtent. Mais par contre, dans le code du robot, dans la stratégie, par exemple, on n'a pas envie de devoir gérer ça à la main. On n'a pas envie de. On veut juste une fois, par exemple, qu'on vient et qu'on veut attraper un objet avec la ventouse, on veut juste dire bah, allume la ventouse, et on ne veut pas toutes les 100 millisecondes devoir répéter dans la stratégie le code qui dit allume la ventouse. Donc à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire à ce moteur manager, on va lui dire, s'il te plaît, allume la ventouse. Et lui, toutes les 100 millisecondes, il va renvoyer à la carte moteur concernée l'instruction qui dit allume la ventouse. Donc lui, bien entendu, il utilise Bucen Enumerator parce que les ordres qu'on donne à moteur manager, c'est genre allume la ventouse gauche et. Bah, enfin, lui, il note juste le nom ventouse gauche, voilà. Et par contre, au moment d'envoyer les ordres, il va demander au Bucen Enumerator, OK, file-moi l'adresse de la carte qui est pour la ventouse gauche, et il lui envoie un message directement. Alors,
Ensuite, on a ça. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ah, ok, ça fait pas grand-chose, c'est-à-dire ça crée juste. Parce que pour chaque carte qu'on s'attend à avoir dans le robot, c'est pas dynamique de dire cette carte existe. Donc on doit dire au moteur manager quels sont les moteurs auxquels on s'attend, enfin quels sont les noms des cartes auxquelles on s'attend dans le robot. Je crois que c'est la même chose pour tous, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Puis on démarre la communication UEFI CAN. Ça, c'est un gros morceau qu'on va mettre. C'est son propre thread, hein, qui gère la communication CAN. Et lui, il utilise une librairie qu'on n'a pas écrite pour faire ça, pour gérer ce protocole UEFI CAN. Et il va communiquer avec plein de récepteurs, en fait, en fonction du type de message. Par exemple, j'invente les noms, hein, mais subscriber. Donc on aurait par exemple un module qui gère les messages de type willpost. Donc quand un message arrive sur le bus CAN, UEFI CAN va le décoder, réassembler les différentes trames qui, vu qu'il n'y a que 8 bytes par message UEFI CAN, il va le rassembler en un grand message, il va le décoder comme étant une structure willpost et il va l'envoyer à notre bout de code correspondant. Et à l'inverse, il est aussi capable d'envoyer des messages. Donc moteur manager, toutes les 100 millisecondes, il va demander à UEFI CAN, OK, s'il te plaît, envoie ce message à mes moteurs, au moteur concerné. Donc 10, c'est l'adresse de la carte master qui est hardcodée. Ensuite, on a une stack IP. Tadam, ça c'est pour Kamikaze. Parce que sur nos cartes, on a un connecteur Ethernet, puis on veut s'en servir pour brancher des laptops dessus, et c'est assez pratique comme protocole en fait, IP. Mais seulement pour débugger, dans notre cas. On préfère CAN sinon. Donc, on a besoin de pouvoir gérer IP. Donc de nouveau, ça va faire un nouveau thread. Là non plus, on ne l'a pas écrit nous-mêmes, on a pris une implémentation existante. Je supprime ça, je mettrai les vrais subscribers après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de l'IP à travers CAN. Non, on peut pas faire CAN à travers IP, par contre, on peut faire IP à travers CAN. On a un moyen de. En fait, c'est plus compliqué. On veut envoyer des messages IP entre les deux robots, mais la carte master, elle a une connexion. Enfin, et puis du coup, pour ça, on a une carte radio avec nos modules UVB. Et ces cartes radio, elle est connectée par CAN. Donc, on doit envoyer les données qu'on veut envoyer à travers le lien radio, à travers CAN. Je veux dire CAN over Ethernet. Ça se fait, ça? J'ai jamais entendu parler. Alors, du coup, là, on est capable d'envoyer du trafic à travers CAN. C'est important. Donc, il y a une dépendance entre les deux. Et ça, c'est un truc assez cool, c'est. Non, c'est pas ça que je pensais. Non, ça, c'est chiant. Enfin, ouais, c'est chiant, ça fait pas grand-chose. On a juste un service qui est capable. Qui, périodiquement. J'utilise service des fois, mais je veux dire thread. Enfin, c'est la même chose. Qu'on va appeler ally position. Lui, ce qu'il fait, c'est périodiquement, je crois, 10 fois par seconde. Il envoie un message à notre autre robot pour dire où il est. Ça permet de faire de l'évitement d'obstacles. On vient de passer à Protobuf over CAN, c'est très sympathique. Ouais, Protobuf c'est cool. Protobuf c'est vraiment cool. Et on s'en sert. En fait, les messages qui sont envoyés dans MessageBus, ils sont en Protobuf. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent être décodés. Donc Protobuf, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Pardon, pardon. C'est un moyen. Comment est-ce qu'ils se définissent, tiens, protobuf? C'est un moyen de d'écrire. Voilà, bah c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc en fait, tu peux décrire tes messages de manière arbitraire, de dire bah voilà, personne, c'est un nom,
C'est un ID et c'est un email. Et Protobuf, lui, va générer du code dans plein de langages qui permet de s'échanger des messages de type personne de manière compacte. Donc là, on a un exemple en... Ça, c'est du Java. On a un exemple en C++. Et du coup, ça permet de facilement écrire des... Ouais, ça donne une façon simple d'interagir entre différentes plateformes. Donc ça veut dire que pour nous, par exemple, les messages qui sont échangés sur MessageBus par un processeur ARM écrit en C, bah, c'est trivial de les décoder en Python sur un laptop qui fait tourner Linux. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà, je sais pas s'il y a des choses à dire. Ouais, NanoPB, ouais, nous on utilise aussi NanoPB. Je pense honnêtement, enfin, on a commencé à utiliser UEVICAN avant Protobuf, quand il n'y avait pas encore grand-chose. Et si on devait le faire maintenant, c'est possible qu'on ferait aussi du Protobuf Overcan. Je sais pas. Après, UEVICAN te file aussi des trucs en plus. Sur des interfaces de debug, ils ont une petite interface graphique très sympa. Ils ont des parties standards dans le protocole. Du coup, tu peux. Par exemple, ils ont une manière standard d'exposer des paramètres. Donc, tu peux utiliser une GUI qu'ils ont écrit eux pour te connecter à ta carte, voir tous les paramètres qu'elle expose, bah, les bricoler. Donc, c'est un compromis. ISOTP plus NanoPP. C'est quoi ISOTP? Revenons à nos différents services. Donc, Ally Position, lui, il va lire depuis l'odométrie et il va envoyer sur UDP. Vous allez me dire, c'est cool, mais on n'a pas encore parlé d'odométrie. J'y viens. Après, on va charger la config depuis la flash parce qu'on stocke nos paramètres dans la flash, les paramètres comme les gains, PID, etc. On démarre la GUI, allez, un nouveau thread. On utilise une petite librairie pour dessiner 2-3 éléments simples, des boutons, etc. À la base, on se servait juste pour afficher le score, puis on a décidé que ce serait cool de pouvoir aussi interagir avec l'écran. Et là, je crois que c'est robot init qui est vraiment le cœur. Lui, il va faire beaucoup de choses. Ok. Non, lui, il setup juste l'asservissement, mais il ne le démarre pas. Ok. Et l'étape d'après, c'est de démarrer trois threads. Ouais, ça marche. Bonne nuit. C'est Normizo qui pourrait envoyer des paquets CAN standard plus grand qubit comme UEVICAN, mais vachement semblé léger. Là, je connais pas. Il y a. C'est un truc. J'avoue que ça a l'air assez cool. Donc ce que vous faites, j'imagine, c'est que toi, tu envoies des messages ISOTP et dedans, tu bourres juste un protobuf avec un petit préfixe pour indiquer le type de message. Donc,
Sans préfixe. Mais du coup, comment tu distingues les différents types de messages? Donc, pendant ce temps, nous, on a un thread qui s'appelle Position Manager. Lui, il lit les encodeurs des roues et il transforme ça pour en position XY angle. Ah oui, ok, tu mets tout dans un one-off. Ouais, pourquoi pas. Ou alors avec les extensions, tu pourrais faire ça aussi, non? Il me semble que tu peux faire ça, que t'as un autre moyen de faire ça. Ah, ou alors c'est possible que ce soit un truc de la version 2. Ouais, tu pourrais aussi faire ça, ok. Tout étendre. Ouais, bref. Mais ouais, les one-off, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ça marche assez bien. Donc on a Position Manager qui est notre thread qui fait la démétrie. Ensuite, on a un autre thread qui s'appelle, je crois, juste Base Controller. Lui, il fait l'asservissement polaire. On va passer un peu de temps dessus. Et le troisième thread qu'on utilise pour la régulation, c'est Trajectory Manager. Lui, c'est celui qui fait, lui, il fait la navigation au niveau. Genre, comment expliquer ça? C'est lui qui se charge de transformer des concepts au niveau. Genre, ma trajectoire, c'est avancer de 100 mm, ou bien aller à tel point XY, ou bien tourner de 180 degrés. 180 degrés, pardon. Et lui, il transforme ça en consigne bas niveau de type avance de 3740, impulsion, etc. Donc, Trajectory Manager. Tac. Donc, eux, ils ont un peu tous une interaction entre eux, qu'on va étudier un peu. Ok, ça c'est assez moche. Moi, je vais l'enlever. Ça c'est aussi pas terrible. Donc, Base Controller, il fait vraiment les trucs clés qu'il fait, c'est surtout ça. Ça, c'est il gère l'asservissement en distance et en angle de l'asservissement polaire. Pour ceux qui n'utilisent pas l'asservissement polaire ou aussi appelé θ distance ou des trucs comme ça dans leur robot, je vous recommande les cours de RCVA, à pas confondre, qui sont vraiment vraiment bien faits sur le sujet. C'est beaucoup mieux que de En fait, il y a beaucoup d'équipes qui débutent, ce qu'ils font, c'est qu'ils asservissent roue gauche, roue droite, et ils calculent pour avancer, je dois faire ce profil de vitesse à gauche, ce profil de vitesse à droite. Pour tourner, je dois faire ce profil de vitesse à gauche, ce profil de vitesse à droite. Et ça marche bien, mais c'est beaucoup plus compliqué pour certaines opérations, comme bah, faire des courbes par exemple, qui sont plus rapides. Mais aussi pour par exemple se recaler sur la bordure, parce que
Si tu as servi séparément le côté avant-arrière de ton robot et la rotation, et que tu veux te recaler contre un mur, bah, ce que tu peux faire, c'est juste couper la régulation en angle. Donc c'est assez marrant parce que là, tu peux vraiment prendre ton robot et le tourner, et il est libre. Mais par contre, si tu essaies de le déplacer, il y a l'asservissement qui te repousse. Et là, tu peux juste du coup couper ton asservissement en angle, reculer, et il va venir vraiment s'aligner avec le bord de manière assez clean. Donc asservissement polaire, je vous le conseille. Et c'est essentiellement ça que fait Base Controller. Faudra que je mette un lien sur le truc de vie d'avril, je crois. Ou alors faire mon propre cours. Mais c'est du boulot. Ah, et puis j'ai aussi la détection de blocage. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a. BD, ça veut dire Blocking Detection. En gros, si tu viens forcer contre un mur ou un obstacle, le robot il doit s'en rendre compte pour endommager la table et puis juste pour pouvoir déclencher une routine de dégagement dans la stratégie. Donc, il va parler à ça. Et ça va parler à plein de librairies. On va commencer à les mettre, ça. Paparam. CS, c'est notre librairie haut niveau qui gère l'asservissement. Pas trop comment. Faut juste faire comme ça aussi. Et là, il y a une doc de Microbe Technology que je pourrais carrément reprendre parce qu'on a repris leur code. Une équipe d'anciens. Donc ça, je pense que je ne vais pas trop m'embêter. Je vais juste la remettre. Overkill, gopher du pic, CS connecté serial. Bah, tu sais que quand je suis arrivé au club, on avait un seul vieux microcontrôleur et il faisait tout, hein. Ça marche aussi. On est en train de se pencher sur le bootloader CAN, mais on se pose des questions sur la place que ça prend. Tu dis notre bootloader CAN? En fait, ça dépend de ton. Ouais, alors votre plus petit microcontrôleur, c'est du M0 avec 32 kg de flash. En fait, ça va dépendre de à quoi ressemblent les pages, parce que tu as besoin d'au moins une page pour la configuration et quelques pages pour le bootloader. Attends, on peut regarder ça. Fait, tu peux regarder les linker scripts qu'on a. Il te donne un peu une idée de l'overhead, mais 32 kilo-octets, tu risques de consacrer un bout pour le bootloader CAN. Après, c'est juste notre implémentation, hein. Tu peux aussi faire ça différemment. Voilà, donc le code du bootloader, il prend environ 10K. Et puis après, c'est 2K de config. Et dans la plupart de nos implémentations, on a deux fois la config. Pour des questions de redondance, histoire que si tu coupes le jus du robot pendant que tu es en train de changer la config, que tu aies toujours au moins une config valide. Mais ça, tu pourrais t'en passer et puis avoir seulement une seule config, donc ça te ferait à peu près 12 kilo-octets d'overhead. Et t'as peut-être moyen d'optimiser un peu. Si tu optimises un peu, alors volontiers une pull request pour résoudre ça. Je pense qu'on est de loin pas optimal, hein, qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'on pourrait dégager. Mais je me suis pas trop penché dessus, ça fait un moment. Enfin, ça. Pour moi, le bootloader, je suis au stade où il marche. Et je te mets la référence du fichier.
Comme ça, tu peux voir un peu la répartition de l'overhead. Mais c'est vrai que je me suis pas trop penché sur la question d'optimisation des boucles d'heures pour le moment. Donc, ce machin, High Level Control System Manager, il va parler à plusieurs librairies. Une, c'est QuadRamp. Ça fournit des rampes d'accélération et de vitesse max. On va plutôt réécrire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une librairie qui fait un PID. Bon, ça c'est pas très surprenant. Severa, vous avez un rapport avec Microbe. On a des fans. C'est le seul rapport, je crois. Les noms de modules se ressemblent beaucoup. Ouais, ben, on a pris beaucoup de leur code. Attends, je te montre. C'est pas étonnant hein, que ça se ressemble beaucoup parce que. Bon, je vais ouvrir en local. Mais. Lib, aversive. Ah, ça ressemble vraiment beaucoup. Hein. Tac, tac, position manager, position manager. Oh, copyright Microbe Technology. Au bout d'un moment, ça sert à rien de réécrire votre propre endométrie, les gars. Il faut prendre une implémentation qui tient la route et puis ça va beaucoup plus vite. En fait, avant, on avait des AVR. On a eu une année des AVR en 2010. Et on avait très peu de temps parce qu'en 2010, on a essayé de faire PC plus AVR. On avait très peu de temps pour développer la partie régulation. Donc, on a repris tout le code de Microbe. Et depuis, on l'a porté sur d'autres plateformes. Et franchement. Enfin, moi je regrette pas, hein. On avait essayé de le réécrire après, mais tu passes beaucoup de temps à faire ça et ça t'apporte pas grand-chose de faire ton propre système. Pour ceux qui se demandent. Je me demande si on peut retrouver leur page de wiki. Sinon, j'ai des archives quelque part de tout ça. J'ai fait des backups. Hop là, document. Voilà, je crois que c'est. Ah putain. En fait, j'aimerais bien trouver parce que ça illustre vraiment le truc de base qu'on avait fait. Je me rappelle plus où il est. C'est peut-être pas la bonne année. C'était peut-être dans l'inversive. Ah, voilà, Control System Engine. Ok. Ça, ce document, je vais vous le mettre dans le chat. Mais pour moi, ça, c'est la Bible. Genre, ça explique vraiment. Enfin, nous, on fait quasiment tout. Et encore, comme c'est marqué là-dedans, c'est une page qui a 10 ans. Et à mon avis, elle est vraiment à jour pour la coupe. Je pense que c'est vraiment pas mal, comme lecture. Là, je vais le noter. Ouais, ça, je devrais prendre un peu de temps pour la clean-up pour le CVRA. Et.
Donc robot système, ça c'est ce qui implémente la partie converts angle and distance control to left right split set point. Bon, tiens, donc on y est. Après, je pense que la doc, voilà, comme elle est écrite, c'est pas forcément super pertinent parce qu'ils passent beaucoup de temps à. Ils expliquent quelles sont les fonctions qu'ils ont implémentées et tout, mais pour ça, on peut juste lire le code. Par exemple, on a changé leur façon de faire la détection du blocage. Ça, c'est un des trucs qu'on a changé. Donc, pour faire un truc plus simple. J'aimerais bien retrouver. Ben voilà. Ça, c'est quasiment le CVRA. Oh, ben, du coup, j'ai pas oublié grand-chose. Maintenant, c'est l'heure de faire des flèches, moi aussi. Donc il lui parle à lui, il lui parle à lui. Ok, donc ça c'est vraiment la partie contrôle de la base. Mais ça c'est vraiment du code qu'on touche plus jamais maintenant, franchement il n'y a plus besoin. Base contrôleur. Je parle aussi à ça. Je me demande vraiment combien d'équipes microbes ont influencé avec leur design. Sachant que Microbe, c'est ce frère des anciens de Ville d'Avray, ou en tout cas en partie, savoir combien d'équipes ont finalement un design similaire à celui de Ville d'Avray par accident. Ok. Ça, c'est cool. Et évidemment, on parle comme ça aussi. Ouais, je pense aussi que la plupart des équipes de la coupe, elles ont été influencées par ce design. Enfin, pas par celui-là, mais je veux dire par celui de Microbe. Ok. Revenons à notre main. Parce qu'à la base, on était quand même là-bas. Ça, on a couvert. Et puis là, finalement, il reste la stratégie. Un peu de bazar pour USB. Ok. Moi, je vais vite faire ça.
Donc on lise un port série virtuel à travers USB. Et ça communique comme ça. Tac. Ouais, le concept de rocadeuse externe, c'est eux. Enfin, c'est eux, c'est Ville-d'Avray aussi, mais. Alors, puis là, il y a sûrement plein de trucs que j'ai oubliés, donc on va ouvrir le dossier librairie de notre repository. Et on va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui traîne. Bon, ce n'est pas des librairies forcément très intéressantes. Ah, il y a Obstacle Avoidance, ça c'est assez important. Stratégie. Donc, Obstacle Avoidance, c'est vraiment là, enfin, il fait vraiment de la géométrie hein, chez nous. C'est-à-dire, on lui donne une liste de polygones et il sort un chemin à travers ça. Une liste de polygones qui représente des obstacles. Alors, un truc qu'on a rajouté un peu par rapport à Microbe, c'est une série de tests pour les différents modules. Série de tests que je devrais réorganiser. Très intéressant. Ça, par exemple, je sais pas du tout si c'est intéressant. C'est juste des librairies qui servent à encoder des data ou calculer des checksums pour vérifier leur intégrité. Et je vois pas très bien comment les mettre dans ce genre de diagramme au niveau quoi. Est-ce que vous mettriez des fonctions très génériques, genre de maths ou de traitement de données en général? Parce que bah là, finalement, ça risque d'être des flèches dans tous les sens si je mets le module de checksum. Ou par exemple, paramètres là, qui sera stocké bah, les paramètres génériques du robot. En vrai, tout le monde est connecté dessus. C'est une librairie qui est vraiment qui fournit une fonctionnalité qui est utile partout. T'es obligé de les mentionner en bas en flash, ouais, ça se tient. Bon, je vais juste faire comme ça. Je vais mettre trois petits points. Ciao Kamikaze. Merci d'être passé. Ouais, t'as raison, Romain, je vais faire ça, je vais les encadrer. Tac. Ah zut. Live demain sur ta balise, by the way. Ah ben. Bah tiens, allez voir Kamikaze demain si. Enfin, moi, je
Je ferai un saut, je pense. On est quoi? On est vendredi demain? Ouais, je ferai un saut. C'est sur Twitch. Sur la chaîne d'Evolutech. Tiens, je viens d'avoir une autre idée de documentation qui pourrait être assez sympa. Je pense assez utile. Ce serait de faire un truc qui s'appelle Life of Movement. En gros, ce serait de faire une liste de genre la stratégie du robot. Enfin, tout part de la stratégie dit va en 1500, 1500. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Et la liste de vraiment tout ce qui va se produire. On va dire, on pourrait le faire maintenant en fait. En commentant. Tiens, je vais faire ça en commentant un peu avec, avec mon schéma que je viens de faire. Et après, je le mettrai dans la doc. Quelque part. Dégager ça. Voilà. Nice. Donc, je vais faire ce qui se passe quand on dit à notre robot 20 1500 1500. Mais avant, je vais prendre 2 minutes de pause parce que j'ai l'impression que c'est un live où je parle énormément aujourd'hui. Et c'est assez assoiffant. À toutes.
Ok. Reprenons. Donc, la question que je m'étais que j'avais posée, c'était la stratégie va en 10 au va en 1500, 1500. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va découper un peu en étapes. Step one. La stratégie. Utilise le module Obstacle Avoidance pour choisir un chemin qui n'intersecte aucun obstacle. Ensuite, pour chaque point de ce chemin, on reprend. Donc, la stratégie donne le point au module Trajectory Manager qui va calculer un angle et une distance pour rejoindre ce point. Ah mais attends, attends, parce qu'en fait il y a des étapes intermédiaires. Donc pour faire ça, il demande au position manager quelle est la position actuelle du robot. Ensuite, donc l'angle et la distance. Sont utilisés comme consigne pour le contrôleur de la base. Donc d'abord on filtre l'angle et la distance à travers un quadrem pour limiter la vitesse angulaire et l'accélération linéaire. Enfin la vitesse, les différentes vitesses et accélération, pardon. Je m'embrouille, c'est pas facile de d'écrire en même temps que vous parlez quand c'est pas la même chose que vous écrivez ou que vous parlez. Que vous dites. Filter donc les valeurs sont comparées avec les valeurs actuelles obtenues depuis Robot System. Comment est-ce qu'on pourrait reformuler ça? C'est pas très élégant. Donc ce qui se passe, c'est que le contrôleur va demander à Robot System quelle est la valeur actuelle de l'avance et de la rotation. Et lui, il va l'obtenir à partir des encodeurs. On va plutôt mettre ça comme ça. Robot System compute current Angular and linear positions. Coders. Et
Donc la position actuelle du plus hardware. Ok. Ensuite, la position actuelle et la position filtrée, elle est utilisée comme input du PID. Pour le PID. Et eux, ils sortent des vitesses et des vitesses angulaires et linéaires. Donc là, on utilise de nouveau RobotSystem pour faire la conversion inverse. Convertir dans les vitesses des roues. Donc quatrième point, le left and right. Donc les vitesses des roues gauche et droite sont envoyées au moteur manager. Et quand un timer arrive à bout, et bien là on va envoyer au... Alors, voyons voir ça. Ah oui, c'est faux complètement, merci. Ouais, à 7 points bien sûr, 100%. Avec le quadrant, pour calculer en entier le mouvement pour rejoindre le premier point au cours du temps. Non. Non, on calcule juste quelle est à l'instant actuel la vitesse qu'on est censé utiliser. Donc la vitesse et la position qu'on est censé avoir. Mais on ne calcule pas le profil complet. Ce qui fait qu'à la prochaine itération, on va de nouveau juste calculer le point actuel. Et on va construire comme ça petit à petit la trajectoire. Donc, périodiquement, le moteur manager envoie au moteur board. D'abord, il doit convertir les noms en CAN IDs. Une tâche. Bon, en lisant le mapping stocké par bus enumerator. Maintenant, donc, on a les roues qui appliquent cette nouvelle vitesse. Ça cause vraiment le mouvement du robot. Ce qui change la valeur des encodeurs les encodeurs externes. Mille.
Donc ça là, c'est simplement encodeur en quadrature dans l'autre sens. Et finalement, donc on recommence ensuite au point 2 qui est de demander au position manager. Ah oui, non, il y a d'abord un autre truc. Il y a d'abord un autre truc. Donc le position manager va d'abord lire la nouvelle valeur des encodeurs. Et on calcule une nouvelle position donc périodiquement on lit les encodeurs, on calcule une nouvelle position. On va plutôt mettre ça, computes the new absolute position, the new position of the robot. Et ensuite, le procédé reprend une fois que le chemin a été fait complètement. Et ça couvre un petit bout, ça. C'est pas super détaillé, mais ça illustre un peu les interactions qu'on peut voir ici, par exemple. On va le noter, hein. Je vais en faire une page en fait de ce petit texte. Je pense que ça peut être utile. Faites, vous en pensez quoi de ce format Life of Blabla, où ça décrit juste une opération simple. Enfin, tu pars d'une opération simple, puis tu décris tout ce qui se passe à partir de ça. Alors, parce que là, une autre idée que j'ai, on pourrait faire Life of Firmware Upgrade pour parler du bootloader, par exemple, tout ce qui se produit à ce moment-là. Ça donne pas une bonne vue d'ensemble, mais je me dis ça permet peut-être un peu de comprendre comment le bazar tient ensemble. Enfin, comment ils interagissent. C'est pas exhaustif, mais ça présente un petit bout. Donc voilà, si vous avez un retour là-dessus, ça m'intéresse. Donc, on va le mettre là-dedans. Le critère pour aller vers un nouveau point, c'est la distance au point. Ah, c'est une bonne remarque, ça. Oui, c'est exactement ça. Enfin, non, tu as deux critères, en fait. Ça va dépendre du type de mouvement. Si tu alors par exemple si ton mouvement c'est un mouvement relatif dans le genre enfin qui utilise pardon pas relatif qui utilise seulement la distance ou l'angle genre tourne de 90 degrés et ben là tu regardes simplement que tu sois arrivé à la fin de la quadrempe c'est-à-dire de la quadrempe pardon c'est-à-dire que tu as une vitesse nulle et une position enfin ouais vitesse nulle et que ta position soit égale à ta position d'arrivée. Et pour les consignes qui sont va à tel point en XY, c'est une distance. Simplement une distance en coordonnées absolues sur la table. Mais je vais l'ajouter dans le schéma. Enfin, dans le schéma, dans la liste.
Du coup, vos adresses CAN sont enregistrées dans la plage de chaque carte? Ouais. Complètement. Je suis en train de réfléchir. Attends, je vais voir si on a une doc. Parce qu'il n'y a pas que les adresses CAN, il y a d'autres choses qui sont stockées dans la flash de chaque carte. Voilà, il y a tout ça. Attends, je vais zoomer un peu. Donc ça, c'est ce qu'on stocke dans chaque carte dans le bootloader. Et qui du coup est unique pour chaque carte, contrairement au firmware qui lui peut être partagé. Donc il y a un ID, ça c'est vraiment un nombre qu'on alloue. Juste, il faut juste pas qu'il y ait de conflit dans le robot, mais tu peux mettre n'importe quoi entre 1 et 127. Il y a un nom, qui est vraiment quelque chose qui décrit la carte, qui est. Tu t'en sers pour faire du diagnostic. Enfin, par exemple, pour un humain, c'est beaucoup plus clair de voir que arms.left.shoulder déconne que de se dire mince, la board 30 déconne. Donc ça, on s'en sert beaucoup. Par exemple, si tu as l'impression qu'il y a une panne dans CAN, tu peux lire toutes les cartes. Il te sort la liste de tous les noms comme ça. Et tu peux voir celles qui manquent. Et par exemple, on a eu des situations où tu te rends compte que toutes les cartes du bras gauche ne répondent plus. Et ben, ça te donne un point de départ pour ton debug électronique. Ensuite, on a Device Class. Ça, c'est un. Il est identique pour toutes les boards qui tournent sur le même hardware. Et c'est utilisé au moment de la mise à jour du firmware pour vérifier que tu n'es pas en train de flasher sur le mauvais hardware. Genre que tu n'es pas en train de flasher je sais pas, le contrôleur de la carte moteur sur la carte radio. Parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le hardware. Donc il va d'abord, avant de mettre à jour, enfin quand tu mets à jour, tu dois lui donner un flag qui dit bah, je m'attends à flasher une carte moteur. Et lui, il va vérifier que c'est bien une carte moteur, et si c'est pas le cas, il va refuser de le flasher. Ensuite, pour chaque carte, tu stockes aussi un checksum et la taille de l'application. Ça, c'est pour vérifier que s'il y a eu une erreur de transfert, que tu as éteint le robot pendant le transfert, tu veux pas démarrer un firmware incomplet. Donc, s'il détecte que c'est le mauvais checksum, il va juste s'arrêter dans le bootloader et attendre un nouveau firmware. Et puis finalement, on a rajouté un compteur du nombre d'updates qu'on faisait. Ça, c'est un peu pour se donner une idée, parce qu'en fait, un temps, avec vraiment des vieilles cartes qu'on avait en 2009, on avait des soucis que les microcontrôleurs qu'on lisait, au bout d'un moment, ils mouraient parce que donc la flash, t'as une durée de vie limitée. Maintenant, c'est plus trop un problème de nos jours, mais à l'époque, c'était vraiment pourri. Même pour l'époque, c'était des vieux trucs. Et je crois que tu pouvais effacer la flash quelque chose comme 1000 fois. Et donc on s'est dit qu'on allait rajouter un petit compteur juste pour si jamais les cartes commençaient à se comporter bizarrement, bah ça te fait toujours un point de debug en plus, de savoir combien de fois tu as mis à jour ta carte et ça ne te consomme pas beaucoup de flash. Fait, c'est pas la distance là. Vraiment juste si pardon, en fait j'ai dit une bêtise avant sur le critère pour aller à un nouveau point. Il y a deux choses différentes. Pour le dernier point, on regarde que la vitesse soit nulle. Et pour les points avant, c'est une distance. Histoire de pouvoir être moins précis. Si tu veux, on dit si on est à 30 mm. D'un point, on passe au point suivant.
Ok. Alors, on va essayer d'intégrer ça. Où est-ce qu'on peut le mettre pour architecture? La suite, c'est Life of. Tu veux dire quoi, Romain? Tu veux dire qu'est-ce que je pense écrire comme prochain Life of truc? Ben, je sais pas trop. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas. Sinon, il y en a plein qui pourraient venir en vrai, mais. Life d'une mise à jour, enfin d'un flash par bootloader, ça pourrait être intéressant, je pense. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas trop la suite de ça. Donc si tu as une idée de suite, n'hésite pas. Moi, ça m'intéresse. Life of a match, ça pourrait être super intéressant. Expliquer qu'est-ce qui se passe, genre comment le robot prend ses décisions, parce que c'est très très générique la façon dont on a codé notre stratégie. Faudra peut-être que je vois avec Lucas ce qui l'intéresse le plus. Enfin, il a posé des questions, enfin avant il y avait des questions, donc je pense que toutes ces questions-là, pourquoi autant de cartes, je veux modifier l'asservissement et tourne-nous, comment est-ce que je pose mon carte sur une carte, il a mis quoi d'autre? Comment est-ce que les différentes parties interagissent, etc. Je pense que c'est tous des trucs qui pourraient justifier. Qui pourraient justifier un life of. Alors, est-ce que je retrouve la vidéo? Asservissement polaire, ah ouais, c'est parfait. Donc ça aussi un très bon cours pour l'asservissement polaire sur comment enfin explique vraiment bien comment tu fais ton comment faire un asservissement qui tient la route. Après, j'aime pas trop citer la doc des autres équipes parce que c'est un peu fainéant, mais. Mais bon, il paraît qu'un bon ingénieur, c'est un ingénieur fainéant. Alors, on va voir ce que ça donne. Peut-être l'appeler Life of a Motion. Ok. On va clean up un peu ce schéma. Ça fera une bonne image pour mettre là, je pense. Mais je vais peut-être simplement. Je vais pas complètement le virer. Parce que en fait, il y a des bouts qui nous intéressent pas là-dedans pour la partie vraiment Life of Emotion.
Donc on peut probablement ignorer. Pour cette partie de la doc. Vais plutôt le mettre comme ça. Tac. Après, pour une école qui développerait ça depuis zéro, je pense qu'il y a pas mal de choses à changer dans notre architecture quand même. Enfin, il y aurait des moyens de simplifier, je pense, de façon assez dramatique. L'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est que vu que le base controller il calcule des setpoints à fréquence fixe, il n'y aurait probablement pas besoin d'avoir un moteur manager qui lui va aussi envoyer des setpoints à fréquence fixe. C'est juste que nous, on avait d'autres contraintes à un moment avec d'autres moteurs qui étaient gérés que juste la base roulante. Et aussi qu'on découvre parfois des simplifications qui sont possibles, mais on s'en rend compte que plus tard. Allez, hop, zou. Ok. Oh, déjà 11h40. Ah, ça prend vraiment du temps, c'est de la folie. Bon, c'est tellement nécessaire. Tellement compliqué sinon de demander à des gens enfin, de convaincre des gens de prendre du temps pour s'informer et pour comprendre ce qu'on fait. Obligé d'avoir de la doc quoi, mais donc je préfère avoir de la doc que écrire de la doc, on va dire. Bon, PID, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce que ça fait, non? Enfin, c'est quand même un truc connu en automatique. Sinon, ben j'ai vu que pour la, enfin, j'ai vu passer avant sur Discord que pour la Coupe de France, vous avez des nouvelles concernant l'organisation. Ça donne quoi pour le coup?
Vous en savez un peu plus? J'ai juste vu passer la notification Discord, mais j'ai pas trop creusé, j'avoue. Peut-être qu'il n'y a plus personne. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va dit machin et puis on va refaire une jolie courbe de Bézier. Voilà. Aussi quelques nœuds pour la Coupe de Suisse. Ah oui, tu peux m'en dire plus, Romain? Je vais pas ouvrir Discord maintenant, mais on sait si ça a lieu ou bien c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, comment ça se passe? Oh mais c'est beau tout ça, c'est beau. Et en fait ceux-là on va aussi les virer. C'est toujours fin août qu'on en saura plus fin mai. Ok. Ouais, donc en gros, ils disent que ça a changé, mais. Enfin, tu dis il y a des nouvelles, mais finalement, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles, quoi. Enfin. Ou bien j'ai mal compris. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça ressemble à quelque chose. Oh nice le coup du. Ok, perso je suis assez content de même règlement en 2021. Ça me plaît assez. C'est-à-dire moi c'est enfin, c'était mon vote perso hein, de dire que si on peut pas la faire, bah, autant ressortir nos robots l'année prochaine. C'est beaucoup plus cool que de que d'avoir un robot sur lequel tu passes beaucoup de temps et qui marchera pas. Qui sera jamais utilisé. Après pour les écoles, c'est chaud, mais bon je pense que pour les écoles, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de bonne solution. De toute façon, pour les écoles, c'est une situation compliquée. Bonne nuit, Tic Tac.
Merci d'être passé. Ah ben, si vous faites un live sur IsoTP plus Protobuf, je suis motivé à venir. Moi, est-ce qu'il vous semble clair mon petit schéma? C'est quoi ce machin qui traîne? Peut-être rajouter là. On va voir si c'est vraiment horrible ou non. Je sais pas trop comment on fait des béziers. Voir si on peut sans trop s'embêter. J'hésite à. Je voudrais juste ajouter peut-être le module de gestion des paramètres, mais si c'est foireux. Non, mais ça va être moche. Et ça apporte pas beaucoup d'infos. Juste couper un peu plus. Ok. On enregistre et on exporte. Ah, bah ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voir ce que ça donne. Des choses comme ça, hein, tu dis. Excepté que là, il fait n'importe quoi. Ah oui, ok. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est content? Peut-être, hein. Comme ça. Mieux peut-être qu'on pourrait faire une stroke. Tac. On le remet comme l'autre. Mais on fait juste un petit cadre autour.
Tant qu'à faire, mettre les autres libres communes. Ouais. Ouais, du coup, je vais juste leur nommer un peu. Je vais changer la légende. Chose comme ça. Non, du tout. Elle fait quoi la Libérare? En fait, elle. C'est pas un très bon nom, mais elle permet de faire du logging structuré. Genre. En gros, tu peux. T'as juste une macro, genre t'écris, qui te. Je sais pas, genre warning, error, info, pour différents niveaux de gravité. Puis tu mets ça dans ton code, avec un message comme printf, hein, ça supporte les mêmes arguments. Et il te sort en plus le nom du thread, le numéro de ligne, le nom du fichier, des trucs comme ça. Juste pour s'assurer que les messages de debug que tu codes, ils incluent tous une bonne. Enfin, ils incluent tous les. Comment tu pourrais dire ça? Ouais, les infos de base dont tu as besoin pour débugger. Ça s'utilise vraiment. Voilà, stop, 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 stop. Donc là, par exemple, tu vois, t'écris juste warning foo. Et puis les infos que lui il va stocker, c'est que c'est un warning, qu'il a été fait à telle ligne. Donc genre ligne 53. Que le fichier ben c'est ça, c'est lib error test error.cpp. C'est juste très pratique. Et une autre fonction qu'on a rajoutée qui est assez cool, c'est une petite astuce, mais je pense que c'est sympa. Enfin, c'est un truc utile dans mon robot. C'est on a aussi une macro qui warning every n, c'est-à-dire que là tu dis ben toutes les 10 fois que tu passes dans cette boucle, j'aimerais que tu logues quelque chose. C'est très utile par exemple si tu veux loguer des choses dans ta boucle d'asservissement qui tourne à 100 kilo, à 100 Hz, mais tu n'as pas envie de surcharger ton port série, bah tu dis every 100, et du coup, une fois par seconde, il va te sortir ton message et tu vas pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Plutôt que devoir faire à la main avec juste un bête if et une variable statique, hein, c'est pas grand chose. C'est pas une librairie qui fait grand chose, mais ça te simplifie la vie.
Donc, on colle l'image qu'on vient de faire. Dans notre petit texte. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, Fab. C'est les petites librairies qui te simplifient la vie et qui t'évitent aussi. Ben, on est tous fainéants. Et du coup, si tu as une librairie qui le fait, ça demande moins d'efforts d'utiliser la librairie et d'avoir un truc clean plutôt que de bricoler. Alors que si t'as pas la librairie, c'est moins d'efforts de bricoler, donc bah, tu fais de la merde. Tout simplement. Et voilà, oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Peut-être que je devrais voir pour faire des sous-dossiers là-dedans, mais... On va commit ce qu'on vient de faire, hein. Très important. Ok. Ah mince, j'ai commis sur master, évidemment. Mais moi, je voulais faire une branche parce que j'aimerais bien que quelqu'un du club la relise juste pour éviter les peut-être les fautes d'orthographe ou des trucs comme ça. Ah bah d'abord, tiens, on va pas. Voilà, avant d'envoyer en review, hein, on va quand même pas faire ça. On va juste vérifier l'orthographe, c'est pas beaucoup de travail, surtout que j'ai Word sur cet ordi. Donc Pandoc, c'est vachement bien, c'est un logiciel qui vous permet de convertir de plein de formats à plein d'autres, genre de doc vers HTML, de HTML vers Markdown, Il y a plein de formats supportés. Moi, un format que j'aime bien faire, c'est convertir ma doc en Markdown vers Word, parce que je suis une quille en orthographe, surtout à minuit. Et du coup, en fait, c'est pas mal parce que ça te permet d'utiliser le correcteur d'orthographe de Word sur tes fichiers Markdown que tu peux publier sur Internet après. On va voir si c'est utilisable. Petite astuce hein, d'étudiant fainéant. Ah, alors ok. Alors le truc chiant c'est que par contre tu es obligé de. Enfin, tu peux pas éditer dans Word et après avoir le changement qui est répercuté Markdown. Ouais, je suis pas pire que toi Romain, mais. Toi, c'est un niveau au-dessus, quoi. On va ignorer tous ces trucs. Ok, by looking at weather. Okay. Après, ça remplace pas une vraie relecture. Hein, genre, quand je devais écrire des rapports et les relire, enfin, là, ça vaut la peine de te poser, tout imprimer, sortir un stylo rouge et tout, mais on va peut-être pas faire ça. Le CVRA quoi. Ignore all.
Je dirais qu'il y a subtracting et ça devrait être subtracting. Vraiment? C'est un truc d'américain versus anglais? Parce que c'est clairement un mot, ça, subtract. Ok, ça c'est un mot. Et subtract c'est aussi un mot, mais ça a l'air d'être moins juste d'après Word. Bon, je vais faire confiance à Word. Blabla, change, fish, ignore all, ignore all. Ok, on a fait nos corrections. On peut maintenant faire l'autre qu'on a fait, le hardware là. Pareil, hein, Ok, architecture, c'est pas un vrai mot, très bien, j'ignorais. Organize, on va mettre à la place. La seule faute. Ah non. High level. Peut-être pas passionnant à regarder, mais c'est important, hein, la qualité dans quand tu fais de la doc, enfin, ou du code en général. Puis je préfère le détecter moi maintenant plutôt que la personne qui relie ma pull request. Lui faire perdre son temps. Ça, il connaît pas. Donc, là, je fais juste des petits commits temporaires que je vais ajouter au commit que j'ai fait avant. Alors, non. Donc, tac, tac. Et là, je peux... Mince. Ok, là j'ai ma branche, je vais pouvoir l'envoyer. Il toujours ici une docs. Mince, on va zoomer. Tac tac. Hardware 2020. Ok. Donc on écrit une pull request. Au Severa, on bosse tous avec des pull requests. Je sais pas si vous avez aussi ça dans vos autres équipes. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui te relie, qui vérifie que t'as pas écrit de conneries. Pas que pour la doc, hein, en général. Après, quand on se rapproche de la coupe, on est moins strict, hein.
voire même on bypass les pull requests en général, mais vu qu'a priori on est encore assez loin de la coupe, autant faire les choses bien. C'est aussi pas mal pour les nouveaux membres de l'équipe, tu peux les mettre en reviewer et ça les encourage à poser des questions, à découvrir des nouveaux bouts, donc moi je vous le conseille si vous le faites pas. Après, le problème, c'est qu'on les trie pas très bien les pull requests en ce moment au club, donc elles mettent des plombes à être review. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés, des projets, enfin. C'est pas parfait comme système, mais je pense que c'est assez avantageux de d'avoir ce genre de relecture. Ah, mais en fait, mais les sponsors, ils défilent super vite en bas de mon écran. Oh là là. Ah, pas du tout ça. Voilà, ça devrait être mieux. Hello, donc on a la première doc qu'on a écrit ce soir, c'était et donc une hardware overview et l'autre c'était qu'est-ce qui se passe quand le robot est on lui demande de bouger. On demande une review. Tac. Et create pull request. Et voilà. Et dès que ce sera merge, ce sera disponible sur notre site internet. Il y avait encore deux, trois petits trucs, je crois que j'avais noté. On peut quitter. On peut vite rajouter ça, hein, les renommer 2-3 donc on a mis un lien vers le courrier CVA, ça c'est fait. Et on voulait changer tech en docs, très bien. Ça plus clair. Ouais. Ils se sont accélérés depuis le début du live, il me semble. C'est possible, mais en fait, j'avais fait des tests pour vérifier qu'ils étaient tous bien centrés maintenant. J'avais accéléré, puis j'ai juste dû oublier de changer. J'avais mis à 1 seconde la période. Je pense pas qu'ils se sont vraiment accélérés. Mais j'en suis pas rendu compte. J'étais à oh waouh, c'est vraiment très rapide. Il me semble que du coup, on n'avait pas les posters l'année d'avant. Mais il en manque pas mal. Alors. Donc. Ah, pourquoi c'est dans le désordre? 2005. Gentil. On veut juste le nom. Comment est-ce qu'on fait ça? Elle très bien. Ok, donc on a les posters pour toutes ces années-là. Donc 2005, 2006, 2007, 2000. Ok, donc il n'y a pas pour 2016 et au-delà. Ouais, on va changer ça, c'est parce qu'on a les PDF.
Alors, j'ai pas le poster de 2016. Romain, est-ce que tu as le poster de 2016? Je sais même pas à quoi il ressemblait notre robot 2016. Est-ce qu'il a fait un bon ranking? Sinon, on s'en fout de mettre son poster. Rankings. 2016, non, il a fait de la merde, on s'en fout du poster. Mais ouais, Romain, celui-là, à part ça, ça m'intéresse quand même, juste pour être un peu complet. Sais même pas où est le poster de l'année passée, en fait. Enfin, le site est un peu à l'abandon. C'est pas encore ça, quoi. Pour ça, j'ai commencé à réfléchir à comment on pourrait faire une émission à plusieurs pour le Sévéra, pour pas être le seul à stream. J'y réfléchissais avec de comment je pourrais inviter un autre soft du club pour venir parler. Et il me faut un ordi qui galère pas autant sur la visioconférence. Ouais, c'est bien 2017, ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pense que les gens qui sont ici le savent peut-être parce qu'on en avait parlé sur Discord, mais sur notre site, on a la mécanique, la modélisation complète de tous ces robots, tous les vieux robots qu'on a, qui sont téléchargeables. Donc si vous voulez voir un peu l'évolution de tout ce qu'on a fait, explorer un peu, ben, y a moyen. Et pour les années récentes, c'est possible de le télécharger sur Internet, de le visualiser directement sur Internet. Et on a la CAO de robots qui remonte jusqu'en 2005, voire même avant. Ouais, 2005, on a encore la CAO. Ah, ça a changé notre mécanique quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est marrant par contre parce que ce multimètre, on l'a toujours le canon. Donc le truc, il a au moins 15 ans. Et bizarrement, ça reste le meilleur multimètre qu'on a au local. Ok, je verrai avec ma thune. Le bro HN. J'ai vraiment envie de faire une émission rétrospective où on se poserait avec d'autres du club et on discute des robots. C'est fou quoi, on a 20 ans de robots qu'on peut se taper. Il manque les robots de 2004 là, mais. Vingt ans de robots qu'on peut commenter, ce serait incroyable. Même les vieux règlements. Bref. Voilà, les petits bugs du site sont corrigés. Ça, c'est quand même des projets à un peu plus long terme. Ah, ça commence à prendre forme ces questions.
Bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce que là je commence, enfin j'ai fait à peu près ce que je voulais faire ce soir, c'est-à-dire avancer sur de la doc. On a fait 2 pages de doc, c'est quand même pas mal du tout d'ailleurs maintenant. Enfin, et je me sens pas d'entamer une troisième page juste maintenant. C'est fatigant tout de même. Je pense que la prochaine fois on va encore faire ça. On va encore faire de la doc parce que ça me plaît bien et ça me semble nécessaire. Et c'était assez motivant là, j'ai quand même fait 3 heures de doc que j'aurais pas fait autrement. Donc merci d'avoir assisté au live et puis à bientôt, bonne nuit. Ciao ciao!